sont le plus souvent le couteau? Et bien c'est en cuisine. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je voulais vous présenter un couteau de cuisine aujourd'hui. Et oui, alors je dirais même plus loin, c'est que si vous avez un très bon couteau de cuisine, vous allez vous préparer des bons petits plats, vous allez manger sainement et vous allez maigrir. Donc cet outil est le meilleur outil pour un régime parfait. Alors ce couteau, j'ai trouvé vraiment par hasard, j'ai été admiratif devant sa ligne, son côté blanc, hyper classe, hyper design. J'avais l'impression d'être devant un iPhone 12. Et je me suis dit, bon, j'ai déjà beaucoup de couteaux de cuisine. Hein. J'ai celui-là que j'ai depuis que j'ai 15 ans. J'ai celui-ci, j'en ai plein d'autres. J'en ai des très grands, alors qui sont difficiles à manier, voire dangereux. Et je me suis dit, bon, bah allez, je teste. Ça me servira pour faire des petites tâches, les oignons, l'ail et compagnie. Quand j'ai coupé la première fois avec, je me suis dit, c'est juste fabuleux. Alors c'est fabuleux pourquoi? Parce que c'est cet acier là, le nitrium. Alors j'ai pas trouvé d'infos dessus, mais c'est hallucinant. On vous parle souvent de sensation de coupe, mais là la sensation de coupe elle est juste géniale. Du coup moi j'adore cuisiner, j'adore découper des petits légumes, et je me suis rendu compte que j'achetais même des légumes pour avoir le plaisir de découper avec ça. Je suis devant les poireaux, je me dis waouh, ça doit être génial à découper, j'achète des poireaux sans savoir vraiment quoi en faire. Alors un couteau de cuisine, c'est quoi? Il y a cette espèce de renfort ici qui rigidifie fil à lame. Et puis là, on a une poignée en POM, polyuréthane, je sais pas quoi, qui permet voilà, de le désinfecter complètement. C'est beaucoup mieux, en tout cas pour les pros, même pour vous, hein, que d'avoir des poignées en bois où on a souvent ici des petits joints qui sont mal faits ou le bois qui peut se fendiller. Évidemment, les microbes peuvent s'y cacher. Là, voilà, on peut bien le nettoyer. À savoir, par contre, que quand j'utilise ce couteau sur du poivron rouge, par exemple, il marque un petit peu. Et j'ai trouvé qu'une seule solution pour le nettoyer correctement, c'est le savon noir. C'est naturel, ça marche super bien. Donc, je me fais vraiment hyper plaisir avec ce couteau. Alors, comme tous les couteaux de cuisine, il y a ce petit emplacement-là qui me permet d'avoir les doigts et de ne pas me coincer les doigts ici contre la planche. Moi, ça fait plus de 6 mois que je l'utilise, j'ai absolument pas eu besoin de le réaffûter. Alors je l'utilise évidemment toujours sur des planches à découper, et l'ergonomie elle est juste super. Et donc je me suis rendu compte que cette taille elle est vraiment suffisante, et que plutôt que d'acheter un couteau ou alors un set de couteaux à 20 balles qui sert à rien, bah valait mieux avoir un très bon couteau de cuisine. Et je peux vous assurer que là vous allez vraiment vous faire plaisir. Il y a une deuxième solution, c'est que si vous voulez pas investir 20 euros, il y a une autre gamme qui existe de ce couteau là qui est la gamme qu'on appelle, je crois, Arizona. Donc c'est simplement des plaquettes en bois. Donc vous voyez, il n'y a pas le renfort ici, la lame est un tout petit peu plus fine, mais on a la même sensation de coupe là. Alors évidemment il est un peu moins rigide que celui-ci, et il est un peu plus grand. Et finalement ce côté grand finalement m'a pas apporté grand chose. Donc je vous conseille vraiment cette taille là. Vous voyez, celui-là en plus je me suis amusé du coup à le customiser un petit peu, à le toxifier, à mettre ça, enfin voilà, à le customiser. En tout cas voilà, cette sensation vraiment elle est géniale pour tout couper, hein, que ce soit bah, voilà, de la tomate, vraiment des choses qui sont généralement galères à découper. Avec ça c'est juste fabuleux. Alors si vous aimez les couteaux, si vous aimez les utiliser, essayez cette gamme de couteaux. J'ai aucun accord avec Arcos, hein. Alors Arcos, ça n'a rien à voir avec la marque française de multimédia, hein. C'est simplement une marque, je crois, espagnole, hein, comme c'est marqué dessus, voilà. Mais si vous tombez dessus, testez-le. Alors je pensais que c'était même un bel ensemble au début. Je me suis dit, bon, s'il coupe très bien, pourquoi pas s'en acheter plusieurs et avoir, bah voilà, si on a des invités, ils ont tous un très bon couteau qui coupe bien. Et bon, après, en même temps, c'est 20 balles. Hein, donc si vous avez un set de 6, ça chiffre vite. Mais en tout cas, voilà, je le trouve élégant, mais il est ultra, ultra, ultra efficace. Alors si quelqu'un a des infos sur cet acier, bon, bah, mettez-nous ça en commentaire. J'espère que cette mini-revue vous a plu, mais il fallait absolument que je vous montre ça.